这次特别因为神的确的一面，这是苦啊，他特别要把以弗所教会把它想起来。Nessa conferência, sinto que é misericórdia especial de Deus. Nessa conférence, je sens la miséricorde spéciale de Dieu qui veut mettre en exergue l'Église à Éphèse. Lorsqu'il a parlé des sept églises de l'Asie mineure, la première église qui a été citée l'église aux Éphésiens, l'église des Éphésiens. Nous pouvons dire que le Seigneur a placé l'église d'Éphèse comme une église première qui a la charge de guider toutes les autres églises. De toutes les manières, nous pouvons nous rendre compte que l'église à Éphèse est une église très riche. Cette fois, la charge que le Seigneur a pour nous, c'est parler aux églises, sept églises qui sont en Asie. Et parmi ces sept églises, la première qui est localisée est celle d'Éphèse. Nous pouvons voir comment Dieu accorde beaucoup d'importance à cette église à Éphèse. Et entrer dans cette église d'Éphèse et servir n'est pas une chose facile. Premièrement, il est nécessaire de passer par un choix spécial, un tri spécial. L'épître aux Éphésiens est une épître très spéciale et que nous connaissons bien. Mas dessa vez o que estamos falando é da parte de Deus, como Deus vê a Mas cette fois-ci, ce que nous parlons, c'est comment Dieu voit cette église et quelle est la charge qu'il a donnée à cette église. No começo já percebemos como Deus ama a igreja de Éfeso. Nous pouvons voir déjà que dans cette église, Dieu a commencé par donner la grâce et la miséricorde. Ceci nous montre comment Dieu accorde de l'importance à cette église d'Éphèse. Tout simplement parce que lorsqu'il parle des sept églises d'Asie, la charge qu'il a en parlant de ces églises d'Asie, mais en pratique, l'Asie n'a pas que sept églises. Mais il a pris l'exemple de l'église à Éphèse pour montrer les richesses des églises de l'Asie mineure. Alors, la charge qu'il a lorsqu'il parle des sept églises de l'Asie mineure,
através ou por meio da igreja Éfeso para dar o início. Il parle à travers la lettre à l'église d'Éphèse pour un commencement. Se pode ser a igreja designada como a primeira para receber o encargo do Senhor, então deve ser. Alors, si cette église est choisie comme la première, alors ça veut dire que le Seigneur a certainement une charge assez importante pour cette église-là. Et nous pouvons aussi nous rendre compte qu'à travers de cette épître à l'église d'Éphèse, le Seigneur est en train de nous attirer davantage afin que nous puissions profiter bien de la vie de l'église. C'est pour cela que la Bible fait mention de sept églises de l'Asie mineure. Mas é interessante como ele começou com a primeira. Essa primeira igreja mencionada não é, por exemplo, a igreja de Pérgamo. Por que não a igreja de Pérgamo? C'est intéressant de voir que la première église mentionnée n'est pas l'église de Pérgamo. Com a sua carta, a igreja em Tiatira. Il a non plus commencé par la lettre à l'église de Tiatira. Sete igrejas. A primeira. Mais parmi les sept églises, la première était l'église des Éphésiens, dont l'église à Éphèse. Ceci montre que le Seigneur a donné une charge assez pesante en relation à cette église d'Éphèse, à Éphèse. Alors, nous avons commencé à voir quelle était la condition de cette église, l'état de cette église à Éphèse. Mas também nós aprendemos com isso. Tudo que foi escrito para a igreja Éfeso. Mais nous avons aussi beaucoup appris avec cette église et tout ce qui a été écrit à cette église, nous pouvons aussi beaucoup en profiter, savoir comment procéder. Dieu soit loué. Podemos dizer que todos os componentes da igreja Éfeso são aqueles que estavam como tição. Nous pouvons dire que tous ceux qui étaient dans cette église étaient comme comme du composant. Dans des morceaux de bois destinés à. Si nous n'avons pas le salut du Seigneur Jésus, nous serions tous perdus et destinés au lac du feu. E nesse mundo viveríamos como alguém. Et dans ce monde, nous vivrions comme des personnes inutiles. Porque tudo aquilo que o Senhor foi lá retirou indo para o lago de fogo e os resgatou porque são peças úteis. Et toutes ces personnes qui étaient destinées au lac du feu, le Seigneur les a secourues. Parce que ce sont des personnes précieuses à ses yeux et utiles. Et par sa miséricorde, nous qui étions dans le monde avions été sauvés par lui. Et il a donné ses paroles spécialement à nous. E mostrando para nós qual o seu desejo dentro do seu coração em relação a nós. E ele a mostrou quel était le désir qu'il avait dans le cœur à notre rencontre. E a cada santo, como o Senhor vê este santo? Ou o que o Senhor espera desse santo? E como saint, quelle est l'attente du Seigneur par rapport à cela? Espera que
Il espère que chacun de nous puissions faire quelque chose pour lui ou alors manifester quelque chose de lui. C'est pour ce motif, pour cette raison qu'il a placé cette église comme la première des sept de l'Asie. Parmi les sept églises de l'Asie, selon son choix, l'église à Éphèse est l'église première, leader. Parce que cette église à Éphèse a beaucoup d'expériences et ces expériences sont très riches. Nous pouvons dire que c'est profond et vraiment très haut. Au début, il nous montre déjà pourquoi, en parlant des sept églises, il a placé l'église à Éphèse en première place. Alors, il veut placer sa grâce et sa miséricorde dans un vase qui puisse le contenir. C'est pour cela qu'il a choisi l'église à Éphèse. O surgimento da igreja Éfeso é baseado na sua graça, por isso nós damos glória a Deus. Cette église est apparue grâce à la grâce du Seigneur. C'est quoi la grâce? Que cela nous a été donné gratuitement. Comme le chapitre 2 le dit, nous étions tous ceux qui étaient morts dans nos délits et péchés. Nous étions dans le monde. Nous étions loin de la justice de Dieu. Et Dieu ne veut pas des personnes comme cela. Et il existait un destin à ce genre de personnes qui est le feu, le lac de feu qui est la perdition éternelle. Mais grâce à sa grande miséricorde, ce morceau de bois qui était presque dans le lac de feu, dans l'étang de feu, qui était prêt à être consumé par le feu. Il fut là et il a étendu son bras et il nous a choisis. Et ici, vous pouvez voir, malgré les dégâts qui ont été commis, il est encore utile. Et c'est bon qu'il n'a pas été complètement consumé. Et avec ce sentiment qu'il est en Dieu, tous ceux qui vont dans les temps de feu, et si Dieu peut tolérer ceux qui sont en train d'aller vers l'étang du feu, Dieu va étendre sa miséricorde et les sauver. L'église à Éphèse, c'est le résultat de beaucoup de miséricorde et de grâce de la part du Seigneur. Grâce à cette miséricorde, Dieu leur a donné la grâce afin qu'ils soient sauvés par la grâce. Il y a une parole bien adéquate et bien idoine pour cela. Nous étions tous morts dans nos transgressions et péchés, nos offenses et péchés. Alors, ce morceau de bois ne sert à rien.
Et l'autre morceau n'a aucune utilité. Je vais le jeter dans le feu. Mais il a découvert. Oh, ce morceau de bois qui a été jeté dans le feu, c'est vraiment triste. C'est d'une bonne essence. Alors, je vais exercer ma miséricorde sur ce morceau de bois. Ce bois est bon. Ah, je vais le prendre. Loué soit le Seigneur. Nous étions presque dans le feu en train d'être brûlés. Le Seigneur y est allé et il a secouru ce morceau de bois. Nous pouvons voir comment est grande sa miséricorde. Et avant, c'était quelque chose qui devrait être brûlé, mais il a regardé. Malgré le fait que ce morceau de bois était en train de brûler. Ah, mais c'est encore bon à être utilisé. Le Seigneur a eu beaucoup de miséricorde à notre endroit. Et il a étendu sa main et nous a pris, il nous a sortis de là. Et il a retiré la partie qui était brûlée. Il a dit, ah, mais ce morceau de bois n'est pas si mauvais que ça. Si nous le jetons, ce sera vraiment de la peine, ce sera lamentable. Et Dieu a dit, ah, mais je pense que je peux encore faire un travail sur ce morceau de bois. Et alors le Seigneur vous a pris. Et vous a sorti du lac de l'étang de feu. Je ne parle pas que de vous, parce que moi aussi j'en fais partie, d'accord? Cette expérience qui est en réalité de chacun de nous, avant d'avoir reçu le Seigneur, d'être converti au Seigneur, nous étions tous des pécheurs. Et nous étions du matériau destiné au lent de feu. Oh, quelle miséricorde de la part de Dieu. Nous y étions déjà jetés. Et il a regardé, il a vu que ce morceau de bois pouvait être encore utile. On peut encore l'utiliser et travailler dessus. Alors, je vais enlever la partie carbonisée, la partie noire de ce bois. Et il a continué le travail de perfectionnement afin de rendre cela un matériau utile. Et il va mettre où? C'est pas pour mettre dans le monde. Si vous le laissez dans le monde, un jour, il pourrait être corrompu et pris par Satan. Alors, je vais le laisser dans un lieu saint, un lieu de justice. Oh, quelle miséricorde de la part de Dieu, du Seigneur. Nous étions des pécheurs. Nous étions déjà lancés, jetés dans le lac de feu. Ah, il est là, dans le lac, dans l'étang de feu. On a jeté ce morceau de bois, mais il est encore bien, je peux encore l'utiliser. Alors, il t'a secouru de cet étang de feu. Et lorsqu'il t'a retiré, tu étais encore brûlant. C'était ton destin parce que tu étais dans le monde,
dans le péché. C'était ça le destin. Malgré le fait qu'il veuille bien de notre salut, mais il était nécessaire d'enlever la partie qui n'était pas utile. Et dans sa miséricorde, il nous a secourus et il a enlevé premièrement cette partie brûlée. Et il a exercé un travail assez fin dessus. Et là, premièrement, il enlève la partie carbonisée et puis il regarde. Alors, ce morceau de bois peut être utilisable. Alors, je vais le laisser dans la vie de l'Église. J'espère que dans la vie de l'Église, tous mes enfants pourront l'aider. Mes enfants dans la vie de l'Église pourraient être de bons exemples, une bonne référence afin qu'ils puissent continuer à être égaux à eux. Alléluia. Alors, qu'est-ce que cela? C'est bien au-delà de notre imagination. C'est cela la grâce. La grâce, ça veut dire que c'est pas vous qui réussissez à faire quelque chose, mais c'est que c'est lui-même qui est venu jusqu'à nous. Pourquoi est-il venu jusqu'à nous? Et parce qu'il est miséricordieux envers nous. Ce morceau de bois, avec un pour destin correct, c'est d'être brûlé. Alors, si je peux nettoyer ce morceau de bois, nous pourrions encore l'utiliser. Alors, lorsqu'il enlève le tison du feu, il a soufflé. Il a éteint le feu. Le feu a été éteint. Mais il y avait encore la partie brûlée. Il y a encore des morceaux de charbon là, de feu brûlant. Alors, il a commencé à nettoyer. Bien-aimé. Ceci est le livre des Éphésiens. Et c'est pour cela que Dieu a placé cette église d'Éphèse comme la première des sept de l'Asie. Et il a placé cette église dans une position de leader. Oh, quelle miséricorde! Il voulait déjà nous donner la grâce, mais nous n'avons pas pris plaisir de cette grâce. Au contraire, nous sommes tombés dans le péché. L'attitude des gens, c'est qu'ils sont en train de retourner dans le monde. Alors, dans leur destin, c'est bien là, alors. Ah, laisse-les donc être jetés dans le lac, dans les temps de feu. Mais le cœur de notre Seigneur Jésus est un cœur plein d'amour. S'il pouvait prendre ce sujet, il le ferait. Ici, ils sont en train d'être brûlés par le feu. Mais je vais les amener à moi. Et comme
Quand le feu est encore en train de brûler, il a soufflé, il souffle pour éteindre le feu. Et la partie qui a été brûlée présente encore des braises. Alors il va, il éteint toutes les braises et il nettoie. Qu'est-ce que cela? Ceci est notre histoire. Non, ce n'est pas seulement la mienne, mais la tienne aussi. Ce n'est pas que ma trajectoire de salut, mais c'est la tienne aussi. Loué soit le Seigneur. Ceci est expliqué parce que Dieu a placé l'Église d'Éphèse comme la première. Il veut nous transformer en saints et irrépréhensibles. Il veut être loué en nous. Voyez-vous, cette pièce qui ne valait rien du tout est devenue la pièce maîtresse, le chef-d'œuvre. Bien-aimé, je ne sais pas pourquoi j'ai reçu tant de grâces. J'étais dans le monde. Malgré le fait que je n'étais pas très impliqué profondément dans le péché, mais je n'étais pas comme ces gens de fait. Mais le péché a une grande attraction sur moi, mais grâce soit rendue au Seigneur, la miséricorde est arrivée jusqu'à moi. Notre destin n'est plus pour le lac du feu, malgré le fait qu'il vivait dans le péché. Ah, laisse-le ainsi, j'aurai encore miséricorde de lui. Le soir, le Seigneur. Cette expérience que le Seigneur a eue avec chacun de nous, il a utilisé l'Église à Éphèse comme le premier représentant. Avec sa grâce, il travaille en nous au point qu'il puisse être manifesté à l'intérieur de nous. Et si nous avons encore du péché, des choses malignes, comment ce Dieu pourra-t-il entrer en nous? Le soit le Seigneur. Pour cela, il est en train de commencer son œuvre en nous. Ah, ce morceau de bois n'est pas utile, ne sert à rien. Laisse-le de côté. Et l'autre aussi ne va pas servir, laisse-le de côté. Celui-ci aussi, c'est du matériau pour les temps de feu. Mais subitement, il s'est rendu compte, « Ah, celui-ci peut être encore utilisé. » Bien que ce soit du matériau destiné au lac de feu, celui-ci peut encore être utilisé. Pourquoi? Ceci est sa miséricorde, sa grâce. Et il nous a retirés hors du feu. Et comme nous étions avant morts dans nos transgressions et péchés, nos offenses et péchés, de toutes les manières, nous étions salis par le péché. Alors il va enlever cette partie qui a été damnifiée en nous. Si tu es passé par le feu,
certainement, il existe cette partie qui a été damnifiée par le feu. Alors, il va enlever cette partie-là qui a été brûlée. Maintenant, regarde, c'est une pièce transparente. Dieu est là-dedans. Qu'est-ce que cela? Cela est tout simplement la grâce. C'est aussi le résultat de sa miséricorde. Et maintenant, à quelle fin nous a-t-il secouru? Premièrement, il a éteint le feu qui était en nous. Et la partie qui a été damnifiée par le feu, il a nettoyé et il a laissé propre. Maintenant, où va-t-on mettre cette pièce? Je vais l'utiliser. Je vais la mettre dans l'église. Parce qu'il est un membre de mon corps. Il sera un membre de mon corps. C'est pas parce que nous avons fait quelque chose de bon, de bien, mais c'est par sa miséricorde, par sa grâce. Et nous a fait devenir un chef-d'œuvre. Reçois le Seigneur. Il voudrait que nous soyons une pièce bien au-delà d'un chef-d'œuvre. Nous étions morts par nos offenses et péchés. Et maintenant, nous sommes sauvés. Afin de devenir des vases utiles. Et à quoi sert ce vase? Il sert à sainteté. Ah oui, que par la sainteté, la grâce, peu à peu, le Seigneur Jésus puisse entrer en nous et se dispenser en nous. Mais cela ne se fait pas d'un jour à l'autre, mais peu à peu. Et cela va dépendre de notre niveau de croissance spirituelle. Et plus nous grandissons, plus il y aura la dispensation. Nous tous sommes passés par cette situation. Et j'espère que tous ceux qui sont assis ici sont sauvés. Que signifie être sauvé? Cela signifie que nous étions dans le règne de Satan, sous la domination de Satan, et le Seigneur nous a sauvés. Il nous a sauvés de Satan. Ceci, c'est beaucoup de grâce et beaucoup de miséricorde. Des choses qui ont été récupérées entre les mains de Satan, ce sont des choses qui viennent déjà bien damnifiées. Et le Seigneur a commencé à nettoyer. Ce chapitre 2 d'Éphésiens, alors pourquoi le Seigneur a placé cette église d'Éphèse comme la première? Lorsqu'on est individualiste, on ne peut pas vivre d'une manière corporative. Et pour cela, le Seigneur a besoin de nous rendre saints, justes, et nous mettre dans une église corporative. Il faut ouvrir la bouche et dire « Abba, Père ». Abba, Papa. N'est-ce pas que c'est beau, tout cela? N'est-ce pas beau?
Tous ceux, nous tous qui sommes assis ici, sommes passés par ce même processus. Si vous ne sentez pas cela, je doute de votre salut. Mais loué soit le Seigneur. Ce qu'il a fait à notre rencontre, nous les sauver, c'est une grande œuvre. Loué soit le Seigneur. Premièrement, il nous a séparés. Et après, en vous et en moi, si nous sommes dans ses mains, nous lui donnons l'opportunité de travailler en nous. Mais si vous êtes loin de ses mains, loin de lui, comment pourra-t-il travailler en vous? Loué soit le Seigneur. Alors cela, c'est dans le chapitre 2 d'Éphésiens. Nous qui étions des matériaux qui étaient prêts à être détruits, le Seigneur nous a secourus. Et en plus de cela, il a travaillé en nous afin que nous soyons saints et irrépréhensibles dans l'Église. Mais ce n'est pas seulement cela. Il continue toujours son travail en nous, qui est de nous donner sa vie. Afin de dispenser sa vie en nous, il a un standard. Et pour cela, il a besoin de travailler en vous, afin que la vie intérieure puisse grandir. Quand cela va-t-il se passer? C'est cette croissance en vie, c'est la grandeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Et cette œuvre, on ne peut pas la sonder. Et nous, dans la vie de l'Église, on a l'habitude de vouloir être de bons chrétiens. Nous recevons les recommandations des frères et nous vivons la vie de l'Église. Et après, les gens vont sortir pour prêcher l'Évangile. Je vais suivre le troupeau. Ce sont en fait les frères dans la vie de l'Église, ces frères-là qui nous aident. Et ils nous conduisent constamment. Mais malgré le fait qu'ils m'ajoutent, qu'ils m'aident, ils ne peuvent pas substituer ma vie, ils ne peuvent pas se mettre à ma place. Mais j'ai besoin d'agir pour pouvoir grandir en vie. Et la vie de Dieu pour nous, nous pouvons dire qu'il y a une limite. Il y a une manière, une forme. Il veut voir en fait jusqu'à quand ce matériau sera utilisé. Il veut l'utiliser, la longueur. La longueur est en rapport à notre croissance. Notre vie croît. Et cette croissance n'a pas de limite. Qui peut me dire quelle est la longueur de la longueur? Allons prendre la longueur de ce local, si c'est immeuble, si c'est 200 mètres, peut-être c'est 200 mètres, mais la longueur à laquelle on fait allusion dans Éphèse est bien, bien grande. La hauteur, quant à la hauteur, cette,
Cette hauteur que nous pouvons voir est déjà assez grande. Mais il voudrait dispenser la vie de Dieu en vous afin que ce soit très haut, plus haut que ce que vous pouvez voir. La longueur, la largeur, la hauteur. Quelle est la mesure de la hauteur? Aujourd'hui, les avions peuvent monter jusqu'à 5000 pieds, 50 000 pieds. Mais un jour, peut-être qu'ils voleront plus haut que cela. C'est pour cela que nous ne pouvons pas limiter la hauteur. Ceci montre que notre vie spirituelle a besoin de croître. Et c'est justement cette œuvre que le Seigneur est en train de faire dans la vie de l'Église en nous. Quatre aspects, la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur. Quelle est la mesure de la longueur? Est-ce qu'il existe une mesure plus grande? 100 mètres, c'est déjà assez long. Mais nous avons aussi 200 mètres qui est plus long. C'est une mesure plus grande que 200 mètres. Si vous atteignez 200 mètres, c'est déjà bien. Mais nous avons encore 300 mètres, 400 mètres qui sont encore des mesures plus grandes que 200 mètres. C'est pour cela que nous avons un objectif qui est illimité. Et c'est aussi insondable. À l'église, on nous conseille de prêcher l'évangile, mais jusqu'à quel niveau nous allons prêcher cet évangile? Il ne nous a pas donné de limite. C'est pour cela que nous pouvons décrire tout en tout simplement quatre paroles, quatre mots. Vous êtes dans la vie de l'Église. Et votre amour dépend de la croissance en vie. Et plus vous grandissez, plus vous aurez de l'amour. Et nous n'avons que quatre mots pour décrire. Quelle est la hauteur de la hauteur? Quelle est la largeur de la largeur? Quelle est la longueur de la longueur? Et quelle est la profondeur de la profondeur? Pour cela, afin que nous puissions comprendre cela, la Bible nous parle tout simplement de la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur afin de sonder notre manière de prendre plaisir de la vie de l'Église. Dans les années antérieures, nous participions aux conférences et à chaque conférence, je gagnais quelque chose, je recevais quelque chose. Et chaque fois que terminait la conférence, je sentais que la vie de Dieu avait grandi en moi. J'avais reçu quelque chose. Et quelle est cette grandeur? Vous pourrez dire, 10 000 mètres. Alors, la vie de Dieu en vous est 10 000 mètres. C'est beaucoup, c'est déjà assez. Mais il existe aussi, nous avons aussi 11 000 mètres, ou 10 000 et 100 mètres, c'est déjà plus haut que 10 000 mètres. Pour cela, bien, chers frères, dans la vie de l'Église, dans l'Église, nous avons besoin de rechercher plus.
Ah, si vous avez 10 000, alors il faut dire, j'ai besoin d'atteindre 11 000, d'aller plus loin. Et d'ici un an, je voudrais participer à tout dans la vie de l'Église. Je voudrais être dans toutes les activités de la vie de l'Église. Et après un an, vous essayez de donner une mesure. Vous allez constater que ce n'est pas que 10 000, vous serez peut-être arrivé à 20 000. Est-ce que c'est déjà suffisant? C'est bon, 20 000? Non, pas du tout. Il y a plus haut que 20 000. Quelle est la hauteur? Quelle est la largeur? Quelle est la longueur et quelle est la profondeur? Par exemple, et il y avait un minier qui, travaillant, est tombé dans le puits. Cela, comme c'est arrivé au Chili il y a quelques années, où 33 mineurs ont été emprisonnés dans le puits. Et pour sauver ces mineurs, que fallait-il faire? Sur le chemin, pour essayer de les sauver, il y avait beaucoup de rochers. Mais grâce à la miséricorde, ils ont été sauvés. Alors, lorsqu'ils étaient emprisonnés là, sous la terre, il fallait leur jeter des aliments, de la nourriture. Et pour cela, il fallait passer à travers des rochers. Il était nécessaire de percer, de creuser. C'est comme ça qu'ils ont survécu. Et ceux qui étaient à l'extérieur étaient en train de lutter, de se battre afin de sauver tous ces hommes. Mais comment les sauver? C'est alors que c'est devenu une cause internationale et les aides sont venues de partout. Et ces rochers n'étaient pas n'importe quel type de rocher qu'on pouvait casser avec du burin et un marteau. Maintenant, pour y être au fond de ce puits. Et à cette occasion-là, j'étais au Chili. Alors, il y a eu de l'aide qui est venue de tout le monde entier et avec des vrilles qui avaient des bouts de diamants pour percer et casser ces rochers. Et lorsqu'on casse ces rochers, il y a un grand risque d'écraser tous les miniers qui étaient en bas. C'était un grand défi. Même le président du pays était là et il participait, il regardait tout ce qui se passait. Lorsqu'on détruisait une pierre, un rocher, on découvrait un autre rocher. Il ne s'agit pas d'une petite pierre, il s'agit d'un rocher. Peut-être un rocher de la taille de cet auditoire. Et pour cela, bien-aimé, frère, dans cette condition qui était la nôtre, le Seigneur nous a sauvés. Ces miniers qui ont été sauvés, secourus, pouvaient imaginer leur joie, la joie de ces miniers. Et à ce moment-là, j'étais justement au Chili. J'ai vu le président et tous ses accompagnants, toutes les presses du monde entier qui étaient là. Tout le monde pensait comment trouver un chemin pour aller jusqu'au minier. Il y avait des rochers partout. Il était nécessaire d'utiliser les meilleures vrilles du monde pour casser ces rochers.
Lorsqu'on cassait une pierre, on en rencontrait une autre, un rocher. Et dû à l'importance du sujet, même le président y était. Il a dit que peu importe l'argent, la somme qu'il fallait dépenser, nous allons mettre tous les moyens en œuvre pour sauver ces hommes. Loué soit le Seigneur. Ils ont été sauvés. Je suis en train d'appliquer cela à notre vie parce que nous avons devant nous plusieurs difficultés. Et il existe autour de nous des rochers. Nous avons besoin des frères qui puissent nous aider à enlever ces pierres. Nous savons que le chapitre 2 d'Éphésiens parlant de cela, qu'il a cassé la pierre, pour voir que le Seigneur a cassé la pierre et nous avons le rocher, pardon, et nous avons été sauvés. Et le chapitre 3, l'œuvre a été terminée. Et dans cette église, nous pouvons voir quelle est la profondeur. Nous pouvons utiliser à peine trois mots pour décrire cela. Et la vie de Dieu est insondable. On peut utiliser tout simplement quatre mots pour décrire cela. La longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur. Alors, lorsque nous arrivons au chapitre 3 d'Éphésiens, ce chapitre se réfère au niveau de vie dans la vie de l'Église, au niveau de croissance de vie. Et cette responsabilité nous incombe. Et c'est important, il est nécessaire que nous allions devant le Seigneur et demander que nous voulions croître en vie. Dieu vous a déjà sauvé de ce rocher-là. Et il t'a mis dans la vie de l'Église. Dieu soit le Seigneur. Pour cela, chacun. Cela est individuel. Et Dieu nous a mis dans la vie de l'Église et nous a donné quatre mots qui sont des mots standards. C'est ce que nous montre le chapitre 3 d'Éphésiens. Afin que nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse tout entendement. C'est ça la richesse que Dieu, cette richesse que Dieu nous a donnée, qui peut la sonder? Quelle est la mesure de la longueur? Vous pourriez me la dire? Et de la largeur, de la hauteur ou de la profondeur? Ah, vous êtes arrivé à 550 mètres. Et il y a des hommes qui sont dans le puits et qui n'arrivent pas à sortir. 550 mètres, 1000 mètres, 1050 mètres. Nous ne pouvons pas limiter. Éphèse qui nous
Bien-aimé, Éphésiens veut nous montrer comment se passe le travail du Seigneur en nous, dans la vie de l'Église. La longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur. Son œuvre n'est pas tout simplement nous enlever du feu, nous nettoyer, travailler en nous, mais il nous a mis dans la vie de l'Église. Et vous qui êtes assis ici, que vous êtes en train de participer à la conférence avec nous, et si vous participez à toutes les conférences, chaque fois que vous terminez une conférence, vous gagnez un peu plus de la vie de Dieu que vous ramenez chez vous. Et vous pouvez l'exercer. Loué soit le Seigneur. Quelle œuvre que le Seigneur fait en nous. Pourquoi Dieu a choisi Éphésiens parmi les sept églises d'Asie? Éphésiens est notre standard, le standard de l'œuvre. Loué soit le Seigneur. Alors, chapitre 2, on ne peut pas décrire. Si vous demandez à Don, quelle est la longueur de la vie de Dieu en vous? Ah, on dit peut-être 100 mètres. Mais s'il existe une autre vie qui soit plus longue que celle-là, qui a une longueur de 200 mètres, vous voyez? Qui peut sonder? Qui peut sonder la croissance de votre vie? Quelle est la longueur? Quelle est la largeur? Quelle est la hauteur? Quelle est la profondeur? Pour cela, pour cette raison, le Seigneur utilise l'Église à Éphèse pour être représentante de sept églises. Il espère que dans chaque église, qu'il puisse établir le standard. Votre vie a besoin de croître. Et dans la vie de l'Église, vous devez coopérer avec les autres frères et travailler avec eux. Il ne s'agit pas de faire votre œuvre individuellement. Cela ne suffit pas. Vous avez besoin de vie. Et où est-ce que vous allez gagner cette vie? Dans les conférences, par exemple. Alléluia. À chaque conférence qui existe. Moi, je ne crois pas que vous puissiez sortir d'ici sans croître. Loué soit le Seigneur. Alors, le livre d'Éphésiens, c'est un livre excellent. Lorsque Dieu a fait allusion aux sept églises dans l'Apocalypse, la première église qu'il a citée est celle d'Éphèse. Ce n'est pas parce qu'elle avait une très bonne condition. Mais c'est parce que Dieu peut travailler dans cette église d'Éphèse. Et cette œuvre est laisser Christ croître de plus en plus en nous. Parce que nous ne pouvons pas limiter son œuvre. Alors, vous pouvez dire, je suis déjà arrivé à 10 000. Mais il existe encore 11 000.
Et pour cela, j'ai encore besoin de faire des efforts. Quelle est la largeur? Quelle est la hauteur? Quelle est la profondeur? Et ceci est notre objectif. Chacun de nous, nous devons arriver à ce standard. Quelle est la mesure que Dieu a déterminée pour votre vie? Est-ce que c'est 100 ou combien? Nous ne savons pas. Mais certainement, Dieu a un standard pour chacun de vous. Et vous devez surpasser ce standard. Et comment surpasser ce standard? Grâce à l'aide mutuelle des uns et des autres, en tous ensemble. Je vous donne la vie et vous aussi, vous me donnez la vie. Et c'est alors que vie avec vie, nous allons tous croître ensemble. C'est pour cela que l'Église à Éphèse, l'Église leader des sept églises d'Asie, de l'Apocalypse. Et la partie principale, encore, on parle de croissance en vie. Tout ce que nous avons dit à propos de secourir les miniers, tout cela, c'était en référence à la croissance en vie. Plus vous supportez les difficultés, plus vous supportez les problèmes. Et si vous parvenez à surpasser tout cela, votre vie va croître. Nous sommes le Seigneur. Alors, que le Seigneur puisse nous donner sa miséricorde, afin que tous nous puissions donner le témoignage de que comme quoi cette année, le Seigneur a fait des choses, nous pouvons dire ce que le Seigneur a fait en nous cette année. Alors, la vie va croître jour après l'autre, année après année. Le soit le Seigneur. Le temps est déjà dépassé. Alors, nous allons nous organiser en petits groupes pour réviser. Voilà, profitez bien parce que votre mémoire est encore fraîche. Dans la révision, en petits groupes, partagez avec les autres frères. Amen. Alors, allons-y.